civilisation. Je n'espérais plus la trouver. Je suis prêt, tu es prêt? Je suis prêt. Oui. Mais à quoi je suis prêt, au fait? À déclencher le piège. C'est ce que j'allais dire. Stop! Tu es pris, hérisson. Oui, fini de jouer au chat et à la souris. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ah, les gars, vous n'allez pas faire ça. Et pourquoi pas? Nous tenons tellement les uns aux autres. C'est vrai, ça? Eh oui, tu ne te souviens pas quand on s'est connus? Non. Eh bien, tout a commencé avant ta venue au monde. Nous sommes arrivés dans un village désert, Tails et moi. Où sont les gens? Nous nous cachons. Et si vous étiez plus intelligent, vous feriez comme nous. Ils se cachent? Pourquoi? Et toi là, où se tient le congrès des chasseurs de primes? Pas très très accueillant dans ce pack-là. J'ai plus vite fait de me débrouiller tout seul. C'est quoi un congrès de chasseurs de primes? Une assemblée de tristes sir Tails. Et je vais y mettre bon désordre. Je vous ai rassemblés pour la simple raison qu'il n'y a pas pire assortiment de mercenaires corrompus que vous. Vous êtes méchants, vous êtes vicieux, vous êtes pourris. Car c'est moi qui vous ai créé à mon image. Mais depuis que j'ai conçu ce plan génial destiné à la conquête de la planète Mobius, un jeune empêcheur de tourner en rond m'a fait arracher jusqu'au dernier cheveu de ma merveilleuse tête pensante. Vous avez dit tout haut ce que je pense tout bas. Jouez ce hérisson. Il démolit mes projets les plus horribles. Déjoue mes pièges les plus terribles. Seul visible, aide les braves gens. Mais en voilà assez. Le vase déborde. En conséquence, je déclare que Sonic le hérisson, ennemi public numéro 1, doit être très activement recherché. Et dans le but d'activer sa capture, j'offre la plus grosse somme jamais attribuée à un chasseur de primes. 1 milliard de mobium, livrable en entier ou en pièces détachées. Période de questions. De quoi s'agit-il? Je vaux beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est lui, j'ordonne qu'on s'empare de ce hérisson. J'ai failli attendre. Oh, ce n'est pas votre dame. Par ici la sortie. Sonic, tu avances comme un escargot. Ça te donne des remontées d'ail, hein? C'est pour qu'ils arrivent à nous suivre. Dispersion et encerclement. Avancez, mesdames et messieurs, ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Venez voir le plus grand spectacle de Mobius. Et ce n'est pas tout. Pour les chasseurs de primes brevetées, entrée gratuite. Et je vous réserve des places pour la deuxième représentation. C'est pas la corde! Oh mon Dieu! 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 Oh m
suis désolé. J'ai oublié de mettre mon clignotant. Entre nous, je m'amuse comme un fou. La fête est finie, oh. Hérisson. C'est qu'il a l'air d'y croire. Eh, et si on jouait à Guillaume Tell? Sonic. Oui, et heureusement que t'étais là. Où est ce hérisson de malheur? Bon, je vous l'accorde, mes armées ont subi un léger tassement. Mais la bataille ne fait que commencer. Il va falloir mettre tout mon génie du mal en œuvre pour créer les robots parfaits capables de capturer ce hérisson. Je vais les doter de force. De courage, de férocité, les faire aussi avariés que moi. Mais à l'inverse des autres robots, ces deux-là seront intelligents, très, très intelligents. Qui suis-je exactement? Et où suis-je exactement? Et serais-je en présence de ma maman? Ah, mais que débarras, lâche-moi débarras. Non! Tu es le tout premier agent de ma toute nouvelle section spéciale super secrète sabotage Sonic! Mon fabuleux concept fera de toi le nec plus ultra des chasseurs de hérissons. Et maintenant, pour te rendre deux fois plus efficace, je vais te cloner. Me cloner? Et nous n'avons pas été présentés. Ce poulet me semble un peu trop... poule mouillée. Ça va faire bonbon. Non, c'est totalement indolore. Il me suffit de jeter une plume de ton croupion dans ce robomatique pour qu'à l'instant même en ressorte ton jumeau absolu. Parfait. Et vous avez oublié ce levier-là? Je n'ai pas oublié ce levier. Il fallait tout faire, sauf tirer le jus. Et je pouvais pas savoir, je viens de sortir ma coquille. Ça y est, et ton frère jumeau va apparaître sur le tapis roulant. Mon frère jumeau? Je suis aussi vilain que ça. Ce dernier levier a provoqué de légères modifications. Pas de problème, vous n'en serez pas moins les plus terribles et les plus redoutables hors la loi de Mobius. C'est moi qui l'a fait le premier, c'est donc moi qu'il préfère. Ben oui, il m'a fourni plus d'accessoires, c'est donc moi qui l'aime le plus. Bah. Mais je suis sûr que tu l'as fait exprès. Espèce de ça suffit! Je vous ordonne de capturer Sonic! Exécution! Mais qu'est-ce que ça que c'est pas fou? Regarde, c'est pas possible! Le docteur Robotnik m'a rétrogradé au service hygiène et entretien! Moi, Coconuts! Alors que je devais être chargé du cas de Sonic, il a confié ça à des étrangers! Attends un peu, c'est moi qui l'aurai, ce hérisson! Ça s'appelle un stand de ravitaillement. Deux hamburgers frites. Deux. Et que ça saute. Hein?
j'ai failli attendre. Hé, hey, je vais pas tarder à prendre racine. Tu as grignoté ton dernier hamburger frit hier, hérisson. Oh! Et jusqu'ici, j'ai été poli, raisonnable. Mais tu m'obliges à employer les grands moyens. Ce n'est pas un hérisson mal cuit qui m'apprendra à faire la grimace. Jamais, jamais. Au nom du docteur Robotnik, je déclare la chasse au hérisson ouverte. Nous ne viendrons plus apporter notre clientèle dans cet établissement. La joie, l'extase. Personne ne peut échapper à Coconuts, mon vieux hérisson. Saucissonné. Sonic, je meurs de faim. On va se faire un miam miam quelque part. D'accord, Hector. On fait la course. Parfait comme ça. Tu peux le redescendre. Juste le temps de peindre ce paysage en trompe-l'œil. Et ensuite, tu attires le hérisson, tu passes, le mur tombe, et le hérisson s'écrase comme une crêpe. On s'en empare et on encaisse un milliard de mots de bim. Le docteur Robotnik sera un peu plus fier de moi. Il le fera encore un peu plus de moi. Non. Hein? Endormi. Vraiment. Bon à rien. Mais essaye de m'attraper. Scratch, il est juste derrière moi. Tiens-toi prêt. Hé, tu veux un petit coup de main? Si jamais t'as besoin d'un autre service, n'hésite pas à m'appeler. Terminez les coups à la banque. La prochaine fois, on suit mon plan. Robotnik aurait dû leur parler de mon triple S.
qu'est-ce que ça fait d'être prisonnier et hérisson? Excusez-moi de vous déranger. On ne vous a pas signalé une épidémie de remoclus dans la région? Non. Il faut que je procède à un examen d'urgence. Faites A. Très grave. Attendez-moi là sans bouger. Diagnostic, vous manquez de fer. Il y a un léger mieux. Les voilà. J'en arrive parfois à regretter que le docteur Robotnik nous ait fait aussi persévérant. Non, c'est moi qui l'a fait comme ça. Toi, tu as fait trop bête pour persévérer, hein. Et prête un peu pour voir. Attire, sinon tu vas rater ta dernière chance. Oh, au secours, Tony. On tient ton copain, hérisson. N'essaie pas de nous jouer un petit tour vite fait. Oui, en toi, si tu tiens ta santé, je compte jusqu'à 3. Bon, ça va, ne lui faites pas de mal, hein. Comme je vous le dis, docteur Robotnik, nous détenons Sonic. Évidemment, c'est moi qui vous ai fait. J'arrive sur le champ. Ça vous donnera l'occasion de me remercier. Bon, j'espère qu'il va apporter la prime. Oubliez la prime, le hérisson est à moi. Vous croyez peut-être que j'avais passé ma vie au service d'hygiène? Non. Le docteur Robotnik va me nommer chef de la SSSSSSS. Jamais de la vie, mon coco. Pas si ces deux-là s'échappent. Ta corde va casser d'une seconde à l'autre. Mets-les dans la cage, la clé dans la ceinture de Grounder. Ouais, bonne idée. Hey, ouvre-moi tout de suite. Tu m'entends? Mais où? Merci Sonic, mais il y a un autre embêtement. Tiens-toi prêt à mettre le rentor en route. Il va y avoir un coup de sirocco. Compagnie du téléphone, j'ai un bon de travail pour la réparation du Robocom de Monsieur Grounder. C'est curieux, il marchait parfaitement il y a 2 ou 3 minutes. Service. Ici la tour de contrôle, docteur Robotnik, répondez. Ici Robotnik, je suis pris dans un vent de sable. Ne vous affolez pas, je vais vous guider. Vous voyez les lumières rouges? Oui, j'en aperçois une à tribord. Vous êtes pratiquement à hauteur du sol. Coupez vos moteurs. Scratch Grounder, où êtes-vous, bande d'idiots? Je vous ordonne de répondre. Le robot que vous cherchez à atteindre est en dérangement et le hérisson que vous poursuivez est en déplacement. Bonne journée. Et c'est comme ça que nous nous sommes connus. J'ai horreur de cette histoire. Tu t'es échappé. Oh, pourquoi toutes les histoires ne finissent pas toujours bien? Hé, il y a une morale. Qui s'y frotte, s'y pique. Merci pour les bons souvenirs. Salut les affreux.